mes adorés, j'espère que vous allez tous très bien. C'est un bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo très particulière, vous avez vu, on démarre dans une voiture avec un petit Swan en arrière-plan là-bas. Alors comme vous l'avez vu en titre, nous partons 24 heures à la montagne en famille. Et bien sûr, je vous emmène avec nous. Alors quand je dis nous sommes tous les quatre. Vous avez déjà vu petit Swan qui joue maintenant à cache-cache. Voilà, cache et coucou. Il y a bien sûr le grand Néo qui est derrière, je vais essayer de vous le montrer. Coucou, qu'est-ce que tu fais de beau? Montage. Ah, montage vidéo pour le grand. Et évidemment, nous avons ici notre chauffeur. Salut. Coucou. Bonjour chauffeur. Bonjour chauffeur. Qui tâche de nous emmener à Beauport. Vas-y. Si, on essaie, c'est maintenant, on va essayer, on y va. Hein. On y va. Chance qu'on y arrive. Quoi? 0%. Non, on est sûr d'y arriver, enfin on espère. En tout cas, on a une météo par contre qui est pas cool. Donc ça en revanche c'est plus embêtant, la météo n'est vraiment pas avec nous aujourd'hui. Bon, heureusement le soleil est dans nos cœurs, on va dire ça comme ça. En tout cas on espère surtout, comme là nous partons pour la montagne, et bien que toute cette pluie ne va pas être de la neige un petit peu plus haut, parce que nous n'avons pas les pneus neige cette année. Voilà, voilà, on les avait l'année dernière mais cette année on ne les a plus. Donc on espère qu'on ne va pas se retrouver bloqué dans les congères. Ah, ça fait un joli vlog hein. 24 heures bloqué sous la neige. Oui, super. Oui, bien sûr. J'aurais voulu vous montrer les belles montagnes magnifiques, mais encore une fois, la météo n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc malheureusement, je n'ai pas beaucoup de paysages à vous montrer. Nous partons sur la station de Megève qu'on vous avait déjà fait découvrir l'année dernière. Et nous allons donc vous partager 24 heures, nous l'espérons, avec un petit peu moins de nuages pour la suite. Bon, là, on est sur les petites routes de montagne. Vous avez vu comme ça tourne. Oh là là. Bon, j'espère qu'on va pas être malade avant d'arriver. Oh là là, ça tourne trop. Bon, ça y est, on commence à avoir beaucoup de neige. Mais fort heureusement, la neige est sur les côtés et elle n'est pas sur la route. Il est actuellement 17h et nous allons démarrer nos 24 heures maintenant, mes adorés. Jurassic Park, oui. On fait un blind test en famille, mes adorés. C'est pas facile, hein. Ah, les ours. Ouais, c'est ça, c'est plein des ours. Yeah. C'est Indiana Jones. Hunger Games. Hunger Games, c'est pas ça. Hunger Games. Ça, on n'aurait jamais trouvé. Les gardiens de la galaxie. Ouais. À mon avis, c'est les cuisines. Oui, c'est ça. Bon, on arrive bientôt. On va arrêter de vous casser les oreilles avec nos chansons. Alors, ça y est, on vient d'arriver à Megève. Et qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va acheter le matériel. Oui, alors même avant le matériel, on va aller te prendre un pantalon et une veste. Parce que vu que t'as poussé comme un petit champignon, oui, et bien là, il n'y a plus rien qui va. C'est tout beau comme ça, dis donc. Bon, maintenant, il faut trouver le pantalon. Alors, il y a un pantalon gris ou un pantalon noir? Pantalon gris. On tente. Tu tournes pour voir? Est-ce qu'il va bien partout? Le petit, c'est bon? Oui. On a un pantalon et on a une veste. Check. Et le grand, à qui il manquait un pantalon? Parce que lui aussi, il continue à pousser d'année en année. Il est très bien, celui-là. Il est mieux. C'est bon? Ouais. T'es bien, là? Ouais, c'est bon. Ça y est, on a équipé les garçons. Donc, Swan a une veste et un pantalon. Néo a un pantalon, parce que pareil, il n'est plus à sa taille. Et un, ce qu'on appelle un second pot, là, un espèce de maillot pour tenir bien chaud. On a essayé de trouver un nouveau manteau pour Greg. Bah là, on n'a pas trouvé, par contre, malheureusement. Oh, petit cœur. On essayera une autre boutique certainement demain matin, parce que là, il est déjà 18h. Les magasins ferment tous dans une heure. Et là, il faut qu'on aille réserver notre matériel de ski. Les chaussures, les skis et les bâtons pour ceux qui ont le droit d'en avoir. C'est pas tout le monde, hein. Mais... Moi, j'en ai eu un à la dernière fois. Un seul? Bon, on va voir si cette fois-ci tu y as droit. Ça y est, mes adorés, on vient d'arriver dans la chambre. Regardez comme c'est beau. On va être trop bien. Donc ça, c'est la merveilleuse nouvelle. Parce que, regardez, on est dans la chambre, mais
Mais, nous n'avons pas nos skis. Et non. Ça, c'est la moins bonne nouvelle. Si, ils sont là, les skis, chérie, regarde. Oui, ils sont sur le mur, c'est ça. Voilà, ils sont là. On va skier avec ça, parfait. Bon, en fait, pour la petite anecdote, on nous a conseillé une boutique pour aller chercher nos skis. Sur Google, c'était indiqué que la boutique fermait à 19h, donc on est arrivé à 18h, mais comme des fleurs, tranquillou. Et là, on nous a dit, bah non, c'est fermé. Ça ferme à 18h. Super! Donc du coup, ça veut dire que demain matin, il va vraiment falloir se lever aux aurores pour aller récupérer le matériel de ski. Avec les trois marmottes qui m'accompagnent, je pense que ça va être compliqué, hein. Mais bon, on verra ça demain. En tout cas, pour ce soir, on va profiter. Et on va déjà profiter de l'hôtel qui est juste top. Alors, je vous fais une petite visite guidée. Voilà, donc ça, c'est la chambre de Greg et moi. Je dors là aussi, chérie. Hein. Donc, vous voyez que nous sommes accueillis comme des pachas par l'ESF de Megève, l'école de ski. On a des petits sacs cadeaux, les garçons, les leurs aussi. Donc là, petite mention spéciale et énorme bisou pour Myrtille qui se reconnaîtra et qui a fait en sorte de nous accueillir comme des princes et une princesse. Merci beaucoup. Donc là, vous voyez qu'on va être très très bien. Alors, il fait nuit, vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais demain matin, ça va être trop trop beau. Je vous montre. Alors, pour l'instant, on ne voit pas grand chose, c'est brumeux. Mais demain matin, on va avoir une vue de folie sur Megève. Ça va être magnifique. Pour l'instant, il pleut encore, mais on nous a dit que demain, ça serait de la neige et qu'il ferait un temps superbe. Donc, on est trop impatients. On continue la petite visite. Alors là, je pense qu'on doit avoir des toilettes. Oui, voilà. Là, c'est notre salle de bain. Du coup, c'est le top. Les garçons ont leur salle de bain là-haut et nous, on a la nôtre juste ici. On va être très très bien là, chérie. Regarde, en plus, il y a une baignoire. On va pouvoir prendre un bon bain chaud. Oh, ça, c'est le pied après le passage sur les pistes. Bon, il y a tout ce qu'il faut. On a même les peignoirs et tout. Oh là là, on va être trop trop bien. De ce côté-là, on a même une petite cuisine si on veut. Il y a tout ce qu'il faut pour se faire à manger. Bon, vu qu'on reste pas très longtemps, je pense qu'on va plutôt prendre l'option resto. Mais ça peut être sympa aussi de se retrouver là pour dîner. On a un petit mot d'accueil super adorable. Voilà, avec même des petits cœurs partout. Merci encore, Myrtille. Alors, Swan était comme un fou, bien sûr, quand il a vu les ballons. Tout content. Et les garçons, vous ne les entendez pas, mais ils sont là-haut. Cachés. Vous êtes cachés, vraiment? Donc là-haut, on a la chambre des pachas. Voilà, voilà. Oh, ils sont vraiment cachés. J'y crois pas. Ils sont en train de jouer cache-cache. Eux aussi, ils ont leur sac cadeau. J'ai l'impression d'ailleurs qu'ils sont déjà ouverts. Il en manque des morceaux. Ils ont leur peignoir à eux. Regardez, il y a même un mini peignoir pour Swan. C'est trop trop chou. Ils ont ici une super vue aussi. Merci chérie. Une super vue sur Megève également. Ah bah c'est plus dégagé d'ailleurs de leur côté à eux. Oh, c'est superbe. Ah, trop trop bien. Donc ils ont leur propre balcon aussi, tranquillement. Et alors, où est-ce qu'ils se sont cachés? Non, ils sont pas là? Si, j'y crois pas. Il y en a un là. C'est comme les autruches, Néo. Maintenant que ton visage est caché, c'est sûr, on ne te voit pas. Et regarde le deuxième. Oh là là. Oh, mais vous avez une salle de bain. Mais immense. Oh, c'est Versailles là. Ça va? Ouais. Bon, vous êtes bien, vous êtes content? Parfait, vous l'avez. Doucement. Oh là là, les oies. Alors, d'après ce que j'ai compris, le programme, ça va être d'aller profiter de la piscine de l'hôtel parce qu'en plus, il y a un jacuzzi, un hammam et un sauna. Le programme de la soirée, ça va être trop top. Et je crois bien qu'il y a un petit loulou là qui est très impatient d'ouvrir ses cadeaux aussi. T'as un bon cadeau? Alors, on va ouvrir du coup. Déjà, il y a une casquette. Waouh, wow. C'est énorme. Il y a aussi une boum. Effectivement, on commence avec des casquettes. Vous êtes aux couleurs de SF? Ah ouais, bah oui, voilà. Paris, là. Il y a sa boude. Ah, sympa aussi. Des crêpes solaires. Des crêpes solaires? Non, j'ai dit des crêpes. Les crêpes solaires, ça. Des crêpes. La crème solaire. Bah, aujourd'hui, on n'en a pas eu trop besoin, mais il paraît qu'à partir de demain, ça ira mieux. Crêpe solaire pour toute la famille. Ça, c'est pour attacher ton forfait. Oui, ça, c'est des petits feutres, regarde, en forme de fleurs pour faire des dessins. T'as un plan des pistes aussi. Et la gourde. Super, en métal en plus. Trop, trop bien. Du bon aussi. Il y avait aussi des bonbons, mais je sais pas pourquoi. Mais chérie, on te voit. Ils ont déjà été sortis du sac. C'est moi qui ai mangé premier. Bien sûr. Et puis pour Swan, il y a aussi un cahier de jeu avec des crayons. Ça va les pachas? Oh là là. Ça y est, c'est la folie. Chérie, on va ouvrir nos cadeaux nous aussi. Allez, on y va. Je vais faire comme les enfants. C'est mon tour d'ouvrir mon petit cadeau.
Bon, moi j'adore les cadeaux. Ouh, et on n'a pas la même chose qu'eux. Chérie, regarde. C'est quoi? Nous, on a le mug. Le mug de montagne. Oui, oui, c'est le mug de montagne. En acier émaillé. Trop bien. Ah, ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Frisson d'hiver. C'est la tisane officielle des frileux. C'est pour moi, ça. C'est la tisane des marmottes? Oui, les deux marmottes. Alors, nous aussi, on a le plan des pistes. On a aussi tout un guide pour l'ESF. On a les crèmes solaires comme les garçons. Fais voir. En fait, c'est super complet. Regarde, on a ici la crème pour les lèvres, ouais, la crème régénératrice spéciale et là, la crème très haute protection. On a tout ce qu'il faut pour être paré. Il y a encore un cadeau. C'est quoi? C'est un mug. Trop fun, regarde. Le mug officiel des belles plantes. Formidable. Voilà. Oh, il est chou. Et ça va être mignon pour notre collection, ça. Du coup, mes adorés, ça veut dire que demain matin, je vais pouvoir vous mettre un mug en story sur Instagram. Trop bien, comme à la maison. Allez, c'est au tour de Greg maintenant. Bon, je pense que j'ai la même chose, hein. Il n'y a pas tellement de raisons que j'ai autre chose. On sait pas. Ah si, j'ai une tisane au vin chaud. Tu vois? Hein, c'est pas pareil. Moi j'ai pour les frileux, tu vois. On nous connaît bien quand même, hein. Et toi t'as du vin chaud, alors moi je bois pas de vin. Bah, écoute, ça doit être bon ça. Préparation pour vin chaud. Waouh. J'ai également le petit mug en acier. Ah ben bah, voilà. De montagne. Ça on a le même. Super. Et c'est le vrai de vrai, hein. Les petites crèmes solaires. Ah oui. Voilà. Les essentiels en bien fait. Utile, ouais. Oui, il faut absolument protéger sa peau, c'est très le important. Le ESF. Oui. Avec une explication. Le plan des pistes. Super. Voilà, pareil. Et puis également le mug. Est-ce que t'as le même que moi? Oui, ah, c'est le même. Bien. Mais dis donc, on est bien accueillis, hein. Ben, super, hein. Eh ben, merci le ESF. Les petits pachas là. Un pacha, deux pachas. Allez, bon, on est prêt. C'est quoi le programme alors? Piscine. Et pour moi, jacuzzi. Ouais, bien sûr. Jacuzzi. Allez, go. Qui c'est qui a déjà mis ses pantoufles dans l'eau là? Je suis bien là. Ça commence fort. On vient d'arriver à la piscine. Et regardez comme c'est top. On a la piscine pour nous tout seuls. Trop, trop bien. Et surtout, pour le plus grand plaisir de Soinou, nous avons le jacuzzi pour nous tout seuls. Ça va être trop, trop bien. C'est parti. Ah bah ça y est, la sauterelle est déjà dedans. On y va. Là on est bien. Moi je crois que je vais pas aller skier demain. Ah si si, tu viens hein. Non mais je crois que je vais rester dans le jacuzzi, c'est bien. Dis donc. Salut, aujourd'hui on se retrouve sur Predator Marine avec un spécimen extrêmement rare. Il est sorti de sa cage. Le saut sauvage. Salut petit petit. Non, il va nous faire son attaque secrète. Le saut de Swan. Oh, sérieux. Vraiment le Swan, sacré spécimen. Hein. Je vais vous pousser. Allez, vas-y, je vais vous. Bon, je te laisse la caméra, petit Swan. Hein. Alors bonjour. Nous sommes à la piscine. Il y a un spécimen très dangereux. C'est que moi là. Je vais faire quelque chose. Vous êtes prêts? On va se faire un petit passage. Ouais, bam. Ah, c'est le grand moment pour Swan. Wow. T'as peur de rien, Gloubinox? Ça va? C'est bien, mon chat. On est au bout du paradis. Devinez qui c'est qui a éteint le bulle et la lumière. Moi, je vais remettre. Aller dans un spa avec ses enfants. Voilà ce que ça donne. Et devinez qui n'est pas prêt pour aller dîner. On attend quelle limace cette fois-ci, hein? Néolimace. On attend Néolimace et Swan Limaçon. Nous les parents, on est prêts, on attend pour aller dîner. Et bien sûr, ces messieurs-là nous font patienter. Allez, dépêchez-vous, il n'y aura plus de service là. Ah là là, les week-ends en famille, je vous jure. On vient de nous apporter des amuse-bouches avec du saumon. Mmh, on va se régaler. Bon appétit les loulous. Alors Swanou, il a pris le saumon. Néo, il a pris des nems au reblochon. Très léger. Ainsi qu'une mini pizza, c'est ça? Pizza. Ouais. Et avec Greg, on s'est pris des tartines. Je me suis pris des toasts aux avocats. Non, on s'est pris, il y a deux toasts, donc on partage. Non, non, c'est pas prévu. Quoi?
Christian partage, hein. Et c'est pas tout, vous allez voir la suite, mes adorés. Oh là là, je crois que la piscine, ça nous a donné faim. Et maintenant, on nous a mis au pain sec. Bien sûr, on a pris une fondue savoyarde. La grande spécialité quand on part au ski. C'est trop trop bon, ça. Léo, tu te souviens que si tu laisses tomber ton pain, t'as un gage, hein. Oula, moi j'ai vite. Ça va être quoi le gage? On lui fait ranger toute la chambre. Ranger ta chambre, ça sera un bon gage déjà. On les voit les gourmands. T'as pris quoi, Léo? Une pizzetta, une Nutella. Oh là là. Ouais, rien que ça. De la banane et tout, ça a l'air trop bon. C'est sûr. Et Greg s'est laissé tenter par le moelleux au chocolat. Chérie, on partage, hein? Pas du tout. C'est comme pour l'avocat tout à l'heure, hein? Non, non, non. Si, si. Et même petit Swan, qui d'habitude n'est pas trop dessert, a pris un cookie avec une glace chocolat. Ça a l'air super bon. Et moi, officiellement, je n'ai pas pris de dessert. J'ai été super raisonnable quand même, hein. Pour mieux manger le mien. Bon, en vrai, je suis en train de taper dans les desserts de tout le monde. Oui. C'est ça l'astuce, en fait, vous faire croire que vous n'avez pas pris. Puis comme ça, vous les aidez. Hein, chérie? Oui. Et puis après, on va au lit parce que là, on n'en peut plus. À la puisée de l'eau dans un vieux puits au cœur de la ville. En remontant le seau de bois, il vit quelque chose briller au fond. C'était des pièces percées, ces monnaies anciennes qu'autrefois on appelait des sous. Depuis longtemps, elles n'avaient plus cours, mais le soleil couchant les teintait de nuances d'or. C'est l'heure de l'histoire, et après, tout le monde au dodo. Bon, on est prêts pour demain, mes adorés. On a préparé la tenue de ski de Swan, qui sera forcément le plus long à équiper demain. Et pour nous, les grands, c'est prêt aussi. Allez, tout le monde au lit. Et voilà, mes adorés, ils avaient raison. La grosse pluie d'hier a fait place à un ciel bleu, bon, avec encore quelques nuages, mais une très très belle journée s'annonce. Regardez la vue incroyable qu'on a sur Megève. Bon, là, je vous cache pas que c'est un petit peu dur de sortir du lit quand même, mais on est motivé par le paysage. Allez, c'est parti, en route pour le petit-déj. Ça fait moins les malins ce matin, hein. Après, un magnifique repas, nous avons... Non, ça y est, on est levé, on est installé au même endroit qu'hier soir, effectivement. Voilà. Et au pancake aussi? Ouais, non, ça y est. Non. Et ça a l'air trop trop bon. Il y a un choix de dingue, on va se régaler. Et alors ici, pour avoir son jus d'orange pressé maison, il faut faire un peu d'exercice. Hein. Et la récompense. Oui. Tout le monde a trouvé son bonheur, apparemment. Petit Swan a un appétit d'ogre, parce que là, vous voyez pas, mais il a déjà mangé la moitié de son assiette. Néo, par contre, est un peu plus raisonnable, hein. Ça, c'est la fondue d'hier soir. Moi, pour le moment, raisonnable, mais je n'ai peut-être pas dit mon dernier mot, hein. En fait, quand on va au ski, on ne peut que manger. Et c'est parti pour l'équipement. On a réussi tant bien que mal à arriver au front de neige. Néo derrière qui dort à moitié. Ah oh. Et maintenant, Swan va pouvoir choisir ses skis. Voilà. Petit bisou à maman quand même. Essaye, mais je pense que ça va le faire. A tout à l'heure, mon poussin. Amuse-toi bien. Allez, aide. Ça y est, Swan part avec son moniteur de l'ESF. Alors, l'objectif de Swan pendant ce séjour, c'est de passer son flocon. Le Neolus marmotus a beaucoup de mal à se lever le matin de bonne heure. Et ce matin encore, ça a été très difficile. Effectivement, bon, après c'était tôt. Alors bien sûr, on avait emmené le casque et le masque de Néo. Et c'est resté où tout ça? Dans la chambre, je savais pas qu'elle les amenait à ce moment-là. Bien c'est sûr, logique. C'est logique. Voilà. Donc on a loué un autre casque. Et voilà. Allez, vous êtes prêts? À la crèche, il est 5h du matin, on rappelle Léo? Ouais, évidemment. Voir, hein. 5h du matin, la blague, il est 10h30 et on a eu du mal à vous amener jusque là les deux, hein. Les premiers sur les pistes. Ouais, c'est ça, les premiers sur les pistes. La bonne blague. Bon, mes adorés, pendant que ces messieurs vont aller skier un petit peu. Attends chérie, hein. Non, non, moi je vais aller prendre du bon temps là, voilà. En fait, je vais aller préparer la suite de la journée, je vais essayer de réserver notamment du spa pour nous tous. Et je vais aller me reprendre un petit café moi. Alors, pendant que ces messieurs sont sur les pistes, moi, je suis, coucou, en recherche de solaire. Alors, une paire pour moi, parce que bien sûr, j'ai oublié d'emmener les miennes. On oublie toujours quelque chose, hein, vous avez remarqué. Et une paire pour Néo, du coup, puisqu'il a oublié son masque, lui, à l'hôtel. Et alors, ce qui est vraiment super, c'est que Jean-Claude, le moniteur ESF de Swan, m'envoie les vidéos de Swan sur ses skis. Donc, c'est génial. Où se trouve le Mont Blanc? Montre-moi avec le doigt. Voilà, je peux suivre ses aventures. Le Mont Blanc, excellent. Ça pouvait pas être mieux que ça. Voilà, je peux suivre ses progrès. Trop génial.
Ça y est, il papote. Oh bah c'est bien, on dirait Matrix. Bon allez, je m'incruste sur Sony Fantasy maintenant. On va faire quelques pistes. On va descendre là pour commencer, vous voyez. Petite descente tranquille. Allez, c'est parti. On y va. C'est plutôt calme pour l'instant. Donc là, on est sur une piste bleue. C'est plutôt tranquille là, ça va. Après la rouge, je sais pas si je vais vraiment tout filmer. Hein, parce que ça va pas être évident, vraiment. Ah, les magnifiques paysages, écoutez. C'est quand même très beau. Hein. Bah, dites-moi comment dire quel est votre niveau en ski. Moi, on va dire que je sais en faire, voilà. Alors voilà, j'ai récupéré la première équipe de skieurs, les courageux. Swanou est toujours sur les pistes. Oui. Voilà. On l'accompagnait un petit peu, puis on s'est arrêté. Oui, voilà. Ben là le moniteur vient de m'envoyer une vidéo, je vais vous montrer. J'ai déjà montré justement sur la vidéo, c'est trop chou. C'est la petite pause du midi, donc là c'est un peu une cafétéria. On va pouvoir choisir ce qu'on veut. On va essayer de manger plus léger qu'hier soir quand même, hein. Ça sera pas fondu savoyard à midi. Swan se remet de ses efforts. Ah, oui, Néo s'apprête à se régaler avec un plat typiquement savoyard. Bah, hein, il y a du fromage dans le burger. Ouais, ouais, bien sûr. Nous, on a pris le plat du jour avec des salades. Alors, c'est du self-service, mais ça a l'air trop, trop bon. C'est tout fait maison. Je crois qu'on va se régaler. Bon appétit. Et bien sûr, tout cela avec un paysage de folie. Regardez comme on est bien installé. C'est à mon tour de m'équiper cet après-midi au ski en famille. Chaussettes roses évidemment. Ça manque de chaussures roses quand même. Écoute, il n'y a pas de casque rose. Donc forcément, c'est pas super girly, mais précaution oblige. Hein. Bon, finalement, changement de chaussures de ski. Les précédentes me faisaient mal. Et puis en fait, sur celle-ci, en plus, il y a du rose. Ça y est, mes adorés, je crois que je suis parée. Les skis, c'est bon. Les bâtons, c'est bon. Les gants, c'est bon. Et les lunettes, hyper girly. T'as vu? Tout rose. Allez, on y va. On est sur l'entraînement des tout petits, remise en condition tout en douceur. Hein. Alors chérie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, on essaie de ne pas tomber. Ouais, c'est un bon programme. C'est déjà un bon plan. Hein. Voilà. La Swan qui arrive, et maintenant c'est au tour de Sophie et son moniteur devant. Allez chérie, on y va, on fonce. Allez, on y va. Change là, et tu freines là. Et voilà, bravo Swan. Mes adorés, ça y est, Swan est reparti avec son moniteur. Donc là, voilà, nous avons séparé la famille. Les grands, les garçons vont partir aussi sur les pistes beaucoup plus hautes. Évidemment, ils n'ont pas du tout le même niveau que moi. Et moi, je vais redescendre, voilà. Donc là, je vais prendre le téléphérique. Je vais redescendre pour pouvoir reprendre les petites pistes vertes et m'entraîner un petit peu toute seule, voilà. Et puis après, je pense que je m'arrêterai pour boire un petit coup, voilà. Tranquille, je vais profiter. Il n'y a personne, je vais avoir le téléphérique pour moi toute seule. Nickel. Et c'est parti. Elle est pas belle la vie, mes adorés? Il y a juste vous et moi, voilà. Et l'immensité de Megève en dessous. Je vous montre ça, c'est trop trop beau. Regardez ça comme c'est magique. Waouh, on s'en met plein les yeux. C'est juste magnifique. Donc voilà, les garçons vont descendre par ici et moi je descends tranquillement. Sans me fatiguer, j'avoue. Non, c'est simplement qu'aujourd'hui je me sens pas suffisamment aguerrie pour le faire. Mais demain je vais tenter, voilà. Avec un petit peu d'entraînement, ça devrait le faire. Faut pas avoir peur du vide quand même quand on est dans le téléphérique. Hein. Regardez, ça donne ça en vrai. Hein. Mais ça vaut vraiment le détour, c'est trop beau. Me voici de retour sur les pistes. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Voici mon niveau officiel en ski. Voilà, c'est même en dessous du niveau de Swan maintenant. Hein. Et bon, je progresse à mon rythme. Pousse.
Voilà, et regarde devant toi. Ça, c'est du chou. On y va. Et on se relève pas, hein. Et on y va. Et tu regardes devant toi, hein. Alors là, j'ai passé les épreuves du flocon. Tu nous expliques, Jean-Claude ? Première épreuve, on a dit que c'était faire des... virages en chasse-neige. Parfait. Deuxième épreuve, il va falloir faire une trace directe tout droit. Ok. Et dans cette trace directe tout droit, il va falloir lever un pied, lever l'autre pied, et en même temps sauter pieds joints. C'est parti pour les coups. Tu te mets en chasse-neige, dès que t'es prêt, tu mets 6 mois, tu pousses, et là tu lèves un pied, et l'autre. Ok. Bon, écoutez, par solidarité, je vais essayer de faire les étapes que je souhaite faire pour le flocon. Bravo Néo, tu as franchi la première étape pour ton flocon. Alors, cette première épreuve, est-ce que tu penses l'avoir réussi ? Oui, je pense que c'est validé. C'est validé, on peut checker. Valide. La prochaine épreuve, trace directe. En traversée, parce qu'on croise une piste. Et dans cette trace directe, je veux que tu me montres que tu es capable d'aller tout droit, les skis parallèles, les skis serrés, dans une décontraction la plus absolue avec un grand sourire. Ok. On y va, c'est parti. Allez, hop. Et on se laisse glisser. Troisième épreuve du flocon. C'est une épreuve où tu vas faire des virages. Et entre chaque virage, tu vas traverser, comme on a fait tout à l'heure, les skis parallèles. Ok. Pars comme ça. On vient de finir les trois épreuves. Maintenant, il faut que je me réunisse tout seul et après, je te donnerai le résultat. T'es d'accord ? D'accord. On check. C'est parti. Ça va, Swan, t'es confiant quand même ? Je suis très confiant. Allez, maintenant, on descend sur la station et on va voir les résultats de l'épreuve de Swan. Est-ce que Swan sera médaillé de flocon ? On va voir ça dans un petit moment. Alors, mes adorés, je vous retrouve avec un petit décalage. Normalement, c'était une vidéo 24 heures à la montagne avec nous en famille. Et comme vous avez pu le constater, vous avez eu des nouveaux plans qui sont au-delà des 24 heures. Et regardez ça, il y a eu un petit chamboulement dans notre programme. Alors tout simplement, on devait arrêter la vidéo hier soir et je suis tombée en sortant du jacuzzi de l'hôtel. Non, c'est pas une blague, je ne suis pas du tout tombée sur une piste noire ou autre, vous connaissez mon niveau de ski, hein. Non, j'ai simplement glissé en sortant du jacuzzi, voilà. On ne se moque pas, bon, ça suffit maintenant. Donc c'est rien de grave, une petite semaine d'immobilisation et tout sera rentré dans l'ordre. Et du coup, on a décidé de prolonger un petit peu le vlog, donc vous passez un peu plus de 24 heures avec nous. Et là, on va vous partager une très grande nouvelle pour petit Swan. Tu te rappelles de ce qu'on a fait ? La première épreuve, aller tout droit, faire des petits sauts, lever un pied, lever l'autre, montrer qu'on est indépendant sur les skis. Facile. Deuxième épreuve, faire des virages le plus cool possible. C'était parfait. Troisième épreuve, traverser une piste, les skis parallèles. Parce que la suite de la progression, c'est pouvoir se passer du chasse-neige un petit peu. Je t'ai regardé et en ayant beaucoup réfléchi, bah finalement je me suis rendu compte à l'évidence, t'avais largement le niveau du flocon et peut-être un petit peu au-dessus, mais on va pas brûler les étapes. Donc tu l'as largement mérité. Et ce que tu as mérité, c'est cette jolie médaille, ce joli flocon. Alors regarde, c'est un flocon normalement, c'est la base du flocon sur lequel vont venir se mettre la première, la deuxième et la troisième étoile. Ouais. Félicitations, tu l'as ultra bien mérité. Bravo. Merci Jean. On a fait des pistes qui étaient tellement plus difficiles que ce qu'on demande à quelqu'un qui fait du flocon que tu as toutes les raisons d'être fier de ce que tu as fait. Oui. Et est-ce que je dis pour l'autre badge ? Mais oui, mais bien sûr. Alors, c'est quoi l'histoire de l'autre badge ? Il est sur la veste. On avait fait une piste bleue assez trompeuse qui était méga raide. C'était la plus dure que j'avais jamais faite. Oui. Et du coup, Jean m'a donné une autre médaille. Alors là, j'ai pas... parce qu'elle est sur mon manteau, mais c'était un ours flocon. Oh, pour te récompenser de ta bravoure et ton courage. Oui. Il est tout fier. Bravo, petit cœur, oui. C'est très bien. Et après les efforts, le réconfort,
les crêpes au Nutella pour les gourmands et le chocolat chaud. Bonne dégustation. Merci. Le bonheur. Et voilà les performances de Petit Swan. Vous vous souvenez, l'année dernière, on vous avait partagé sa première récompense au ski. Et voilà, il continue. Et nous terminons nos 24 heures ici avec un petit soin au spa. Donc Greg et Néo viennent de faire le leur, ils sont passés en premier. Ce sont des soins parents-enfants, c'est deux par deux. C'est la première fois qu'on fait ça en famille. Tate, oui. Allez, c'est la récompense du flocon. Après l'effort, le réconfort. Alors évidemment, mes adorés, c'est un rendez-vous que j'avais pris avant ce petit événement. Mais du coup, bah, je vais tenter quand même. Donc le plus dur, ça va être de mettre le maillot de bain. Je trouve que ça va être un petit peu épique. Mais ensuite, la relaxation du massage, je pense que je vais vraiment apprécier. Alors ça y est, mes adorés, on vient de terminer le massage. C'était super agréable, relaxant. Et même tellement relaxant que regardez Petit Swan, il dort. La dame n'a pas réussi à le réveiller. Petit bout de chou d'amour après sa journée de ski, là. Allez, moi je vais le réveiller avec des bisous et on vous retrouve juste après. Ça y est mes adorés, c'est la fin de nos 24 heures, même plus long, à la montagne, en famille, oui, à Megève, tout à fait. Vous avez apprécié ? Oui, j'ai adoré. C'est sympa. Et surtout, j'ai adoré avoir mes deux badges. On soit super content, il a réussi à avoir son flocon. Néo n'a pas fait d'indigestion. J'ai beaucoup mangé, effectivement. T'as fait des provisions jusqu'à l'hiver prochain, là. Bien profité. Toi, chérie, c'était bien ? Super. Oui. Ouais, on a passé un excellent séjour. Oui, on en a bien, bien profité tous les quatre. Bon, bien sûr, moi, je ramène un souvenir un petit peu particulier. Mais bon, c'est la petite mésaventure voilà, qui clôture le séjour, c'est comme ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, mes adorés. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous likez, vous commentez et vous vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici la prochaine vidéo, on vous fait plein de gros bisous. Bisous. Bye bye. Bye bye. Bisous, bye bye. Toi aussi, mais on fait des bisous, bye bye.